différentes couleurs. Il y a différentes couleurs, je ne vous ai pas pris le plus facile. Ah non, ben justement. Alors, justement, faut moi, le plus dur. Moi, je verrais à peu près cette couleur, du marron quand même. Ouais. Ici surtout. D'accord. Il est prêt à être consommé. Donc quand vous l'achetez verglas, vous savez que l'avocat, vous pouvez encore le conserver et qu'il va continuer à mûrir pendant au moins une semaine. On le coupe en deux et on suit le noyau dans la longueur. Vous voyez ? Et ensuite, on tourne. Voilà. Donc vous voyez que là, on a un degré de maturité qui va être idéal pour notre salade. Donc, et on l'a vu et par la couleur dont on parlait tout à l'heure, qui est pas tout à fait au maximum de sa maturité. Et vous avez vu ? Ferme et bien mûr quand même. Donc, là, il est très mûr, donc le... Oui. En fait, on plante le noyau et on tourne, d'accord? Là, vous n'avez pas besoin, vous avez juste à l'enlever comme ça. Maintenant, je sais. Merci. D'accord? Donc, je vous laisse faire, je vais vous donner à chacune un avocat. Et ensuite, donc, on va venir éplucher notre avocat, d'accord? Tout simplement, ici. Comme ça, oui. Voilà, on vient retirer la peau. Oui. D'accord? Que les avocats c'était bon déjà pour les garder en bonne santé entre guillemets, les avocats fallait mettre du citron dessus pour pas qu'ils noircissent. Il n'y a que du bon gras en fait dans l'avocat puisque c'est du gras végétal. Au niveau de la santé c'est plein de vitamines, ça peut remplacer la viande aussi dans certains cas puisque ça apporte énormément de nutriments et de vitamines. Il y en a plein. Ça me rappelle le Pérou. C'est délicieux. And this is the best. C'est excellent, quoi. C'est très bon. L'avocat, ah, c'est bon. Donc, il est goûteux.